C'est toujours le même plaisir de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans pour cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Après la demande de la part du président Pierre Nkurunziza de reporter le 20e sommet des chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est, à l'avance-temps que son gouvernement a appris tardivement la tenue de ce sommet, le président ougandais Kaguta Yoweri Museveni, en tête de cette organisation, vient de rejeter cette demande. Et la principale plateforme de l'opposition, Senared, s'insurge contre l'arrestation de 4 officiers militaires en retraite soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat de Melchior Ndadaye. Et au cours de ce journal, nous allons revenir sur la situation des élèves burundais réfugiés en Tanzanie qui ne reçoivent plus les épreuves nationales, qu'ils soient du secondaire ou de l'école fondamentale, alors que le gouvernement du Burundi devrait normalement leur envoyer ces épreuves. Et voilà pour les principaux titres, tout de suite le développement. Je vous le disais tantôt, le président burundais se crée des motifs pour ne pas participer au 20e sommet des chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est. Dans une lettre que Pierre Nkurunziza a adressée officiellement au président ougandais Kaguta Yoweri Museveni en date du 24 novembre 2018, il avance que son gouvernement a appris tardivement la tenue de ce sommet qui prendra un bon moment pour parler de la crise burundaise, une demande à laquelle le président en exercice de l'EAC a opposé une fin de non-recevoir. Il reste à savoir si Pierre Nkurunziza aurait la bonne foi d'y prendre part, alors que depuis 2015, il ne sort jamais du Burundi. Révérien Bazikamwe nous en dit plus. Depuis le putsch manqué contre le pouvoir de Pierre Nkurunziza le 13 mai 2015, il s'est décidé de ne plus sortir du Burundi. Il a reçu pas mal d'invitations de ses homologues, des sessions régionales ou internationales, y compris des sessions qui visent à résoudre le conflit burundais. Nkurunziza n'a jamais répondu présent. Pour certaines sessions, il envoie Gaston Sindimo, premier vice-président. Il organise souvent des descentes dans les provinces pour montrer qu'il est occupé par des travaux de développement de son pays, alors que d'autres chefs d'État étaient pris pour des réunions très importantes de la région ou de l'Afrique en général. Deux simples illustrations. En 2017, quand les chefs d'État de l'EAC s'étaient réunis en Tanzanie pour discuter de la crise burundaise, Pierre Nkurunziza s'était rendu à Muyinga pour inaugurer un hôtel d'un commerçant de la province. Le 30 janvier de cette année 2018, les chefs d'État africains se sont réunis à Addis Abeba. Lui faisait la prière sur les récoltes des pommes de terre. Au lendemain de l'annonce du 20e sommet des chefs d'État de l'EAC, Nkurunziza a envoyé ses émissaires, général Evariste Ndayishimiye et le ministre des Affaires étrangères Ezekiel Nibigila pour rencontrer le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. L'objet était de lui demander que ce sommet soit reporté en vain. Nkurunziza lui-même a adressé une lettre officielle à Museveni le 24 novembre 2018 pour lui dire que l'invitation lui est arrivée tardivement et que par conséquent, il ne prendra pas part à ce sommet. Malheureusement, de son côté, Museveni a déjà répondu officiellement que le sommet aura lieu à la date du 30 novembre 2018 comme prévu. Sur l'agenda de ce sommet, il figure la question de la crise burundaise. Pour le moment, la participation de Bujumbura n'est pas encore confirmée, mais il sera aussi une surprise inattendue au Burundi s'il sort du pays après près de 4 ans qu'il s'enferme au pays. Merci à Révérien Bazikamwe pour une certaine opinion. La demande de Pierre Nkurunziza de reporter le sommet dénote de sa peur d'être pointé du doigt par ses pairs pour les crimes qu'il commet. C'est ce qu'indique le président adjoint de l'association Citoyens Probe, Gervais Nibigira. Suivez. Nous avons vu la lettre qui a été adressée au président à l'assistance de l'EAC, où le président donne comme justification qu'il a été informé un peu tard, alors qu'il avait envoyé même ses envoyés pour demander le report et le président de l'EAC a refusé. Donc aujourd'hui, cette tendance de s'enfermer, ça commence à même donner une image de celui qui ne sait plus quoi faire. Parce que c'était depuis le 13 où il y avait eu la convocation
de ce sommet, que ce soit le sommet des chefs de chef d'État, mais aussi il y a le conseil de ministre qui va se réunir avant, donc c'était informé avant. Donc aujourd'hui, il n'a pas d'argument à montrer devant les autres chefs d'État. C'est la peur qui est alimentée par les actions commises depuis, qui continuent aujourd'hui. Donc, ça fait 3 ans, ça fait bientôt 4 ans qu'il n'a pas quitté le pays, qu'il n'a pas participé dans aucun sommet, que ce soit de l'Union africaine, de l'EAC, mais aussi des Nations Unies. Et ce sont ces envoyés qui sont représentés dans ces réunions. Mais aujourd'hui, alors, c'est grave. Même le premier président qui était son envoyé dans les autres sommets, donc, comme il a refusé, donc il ne va plus envoyer aucun envoyé. Le journal poursuit après l'arrestation de 4 officiers militaires en retraite soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat de Melchior Ndadaye. Le CNARED s'insurge contre cet acte. Pour Jean Minani, président de la plateforme de l'opposition, Pierre Nkurunziza ne cherche qu'à détourner l'attention sur ses propres crimes. Selon lui, l'attitude du chef de l'État est contraire à l'accord d'Arusha. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. Nous sommes étonnés que Pierre Nkurunziza, 13 ans après 10 ans de présidence élue et 3 ans de présidence forcée, voit qu'il y a des auteurs du coup d'État du 21 octobre 1993. Est-ce que Nkurunziza, après 13 ans, c'est aujourd'hui qu'il vient de remarquer que Ndadaye a été assassiné et que les auteurs de ce crime n'ont jamais été appréhendés? Qu'est-ce qui a motivé Nkurunziza aujourd'hui de dire il faut arrêter ces gens-là? Et pourtant, Nkurunziza a nommé une équipe de la commission Vérité Réconciliation, dirigée par Mgr Jean-Louis Nahimane. Cette commission vient de passer 2 ans, elle vient de terminer, elle vient même d'être remplacée. Est-ce que cette commission n'a rien fait pour trouver les auteurs de ce crime? Et s'il a trouvé, pourquoi il ne transmet pas ce rapport et que ce rapport soit publié? Et qu'un tribunal soit instauré immédiatement pour juger les auteurs de ce crime? Qu'est-ce qui pousse Nkurunziza aujourd'hui à faire recours à une autre voie que la voie qui a été préconisée par tous les Burundais? La réponse est simple. Nkurunziza n'est pas préoccupé par les auteurs de l'assassinat de Ndadaye Melchior. Nkurunziza, il est en train de jouer de la farce au peuple burundais. Nkurunziza est un comédien parce que Nkurunziza a trouvé quelque chose qui pourrait détourner le regard qui est fixé sur lui, sur les crimes qu'il a commis. Toute la communauté internationale est en train de le regarder. Tout le peuple burundais est en train de le pointer du doigt sur ce qu'il a fait. Pourquoi se réveille à la veille du sommet des chefs d'État de la sous-région, le 30 novembre cette année, qui apparemment, tout le monde ne le soutient pas, qui apparemment commence à comprendre le jeu de Nkurunziza depuis son refus catégorique de participer au 5e round burundais? L'attitude et le langage des dirigeants burundais sont loin d'être rassurants. Ce constat ressort du rapport du mois d'octobre de l'Association des citoyens probe. Le rapport se base par exemple sur des propos tenus au cours de la période de deuil de feu Melchior Ndadaye. Suivez encore une fois le vice-président de l'Association des citoyens probe, Gervais Nibigira. Avec les discours qui étaient prononcés par les autorités politiques et administratives pendant la célébration du 25e anniversaire de la Sainte Présidente Ndadaye, il y a eu beaucoup de demandes, de demander qu'il y ait l'arrestation, qu'il y ait la vérité, qu'il y ait la lumière sur l'assassinat du président. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a l'arrestation de certains des officiers qui étaient dans l'armée pendant la période de l'assassinat du président. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a cette volonté de faire une mobilisation populiste de la part de l'opération pour montrer qu'aujourd'hui, ce qui a été difficile pour les anciens chefs d'État est possible pour le président Nkurunziza. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a cette tendance, que ce soit les discours qui sont prononcés, discours de peur, donc qui font peur à ceux qui ne sont pas membres du parti FDD, mais aussi
les autres qui n'adhèrent pas à l'idéologie du parti CNDD-FDD. Nous avons remarqué qu'il y a eu prétexte comme quoi, comme ils étaient en deuil. Alors que nous savons qu'il y a des signes qui ne trompent pas lorsqu'il y a un pays est en deuil. Il y a le drapeau national et d'autres drapeaux qui sont en berne. Mais nous avons remarqué que les drapeaux étaient ici comme anormal. Mais aussi nous savons qu'il y a eu le bateau deuil, que ce soit pour le président Melchior, que ce soit pour le prince Louis Rassol. Donc c'est un prétexte pour montrer qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à aller négocier avec les autres partis en conflit, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir ou le président Nkurunziza voit qu'il est fort, qu'il n'a pas besoin de négocier avec n'importe qui, mais aussi il y a peur, parce qu'il y a, la CPI qui a ouvert les enquêtes sur les exactions qui étaient commises par le pouvoir. Donc aujourd'hui, il y a cette tendance de se fermer sur lui et avec son pouvoir, mais aussi avec ses membres du gouvernement. Poursuivons cette édition. Les élèves burundais réfugiés en Tanzanie qui ne reçoivent pas les épreuves nationales, qu'ils soient du secondaire ou de l'école fondamentale, lorsque les élèves de la 9e année et ceux de l'année terminale achèvent leurs études de fin de cycle, le gouvernement du Burundi devrait normalement leur envoyer respectivement le concours national de l'Exeta comme ceux restés au Burundi. Une situation différente pour ne pas dire contraire aux années antérieures, puisque les élèves réfugiés en Tanzanie dans les années 1972 et 1993, recevaient ces examens. Je vous prie de suivre ici ce témoignage d'un homme qui était enseignant dans un de ces camps tanzaniens dans les années 1990. Et moi, j'ai été réfugié en Tanzanie depuis les années 1995. J'ai été aussi un professeur dans l'une des lycées qui se trouvait dans le cas de Rukore. Donc, au moment où j'étais dans le cas de Rukore, il y avait des élèves qui terminaient surtout les humanités générales. Il y avait des examens qui venaient du Burundi, parce que même les diplômes qu'on donnait à ce moment, ce sont des diplômes même qu'ils utilisaient pour le moment, au moment où ils retournaient au Burundi. Et de ce fait, l'envoi de ces épreuves dans les camps de réfugiés était l'émanation des différents gouvernements de ces époques. Pour Léonce Ngendakumana, qui fut président de l'Assemblée nationale de 1995 à 2002, le gouvernement actuel néglige ce problème, surtout que ses élèves sont considérés comme des enfants d'opposants. Suivez-le également, il a été contacté par téléphone. Première raison, effectivement, ils n'ont pas d'objet alloué à cette rubrique. Deuxièmement, il n'y a plus de planification ou de programmation scolaire. L'éducation n'est plus une priorité. Troisièmement, certains ténors du parti CNDD-FDD sont convaincus que ceux qui se trouvent dans les camps, qui ont fui le pays, sont des malfaiteurs, particulièrement des putschistes. Et leurs enfants en souffrent en conséquence. Poursuivons cette édition au Rwanda voisin, le district de Rusizi vient d'inaugurer un immeuble tout neuf abritant une université. La construction s'est faite grâce principalement à l'expertise des ingénieurs burundais, avec une maîtrise saluée par les autres ingénieurs ayant participé aux travaux, tout comme les étudiants. Les détails dans son reportage signé Denis Daikengouki. Le district de Rusizi est une région où vivent pas mal de réfugiés burundais. C'est aussi dans cette région où a été construite l'université de Kigali. Un building construit à la modernité, maison en étage de 5 niveaux qui possède une salle de conférence, bibliothèque, une pâtisserie, un bâtiment bien climatisé avec des ascenseurs, des extincteurs de haute qualité, des parafoudres en contact avec les piquets de terre qui neutralisent la force de la foudre. Pendant la construction, on n'a pas oublié un passage pour les handicapés et les toilettes.
Les Burundais ont beaucoup servi dans la construction de l'immeuble, comme celui-ci parle comment il a obtenu un travail et fait savoir qu'au Rwanda, il n'y a pas de favoritisme, mais au regard de celui qui est capable. J'étais venu ici pour demander un emploi et ils m'ont accepté, ils m'ont suivi. J'ai travaillé avec eux conformément à ce qu'ils voulaient. Ça me vantage beaucoup parce que je trouve les moyens de survivre, pas de stress en ce qui concerne les besoins du jour au jour. Je trouve le loyer, je trouve la ratio facilement, donc c'est une faveur. Un jeune est un Rwandais qui salue le travail de ces architectes burundais et précise également qu'ils en sont capables. On salue le travail qu'ils ont fait. Comme on en a parlé, c'est un architecte burundais qui a assuré tous les travaux de la construction du début à la fin. Maintenant, il est en train de présenter les travaux de finissage. Oui, ils sont vraiment capables. Au Rwanda, il y a la politique de ne pas excommunier la race, le sexe. C'est lui qui paie le travail. On a débuté le travail ensemble. Jusqu'à maintenant, nous sommes avec eux. Ça montre qu'ils sont capables. Rien que ça. Les étudiants ont déjà commencé les recours dans ce bâtiment. Celui-ci est un étudiant handicapé qui remercie le gouvernement du Rwanda qui a pensé à eux et qui s'est donné l'initiative de venir en aide aux personnes infirmes. Je suis un étudiant d'ici, deuxième candidature. Jadis, c'était difficile de pénétrer à l'intérieur d'un building de 4 niveaux, voire même plus, état infirme. Actuellement, le gouvernement nous a donné un grand honneur. Les handicapés, maintenant, peuvent pénétrer dans un bâtiment avec des niveaux, quoi que ce soit. Nous remercions vivement notre gouvernement qui continue à nous soutenir dans nos études. Il reconnaît notre futur. Nous vous signalons que la région de Rusizi semble être pluvieuse du point de vue végétation, des montagnes qui se plombent, la région et le lac séparent le Rwanda et la RDC. Merci également à Denis Daikenguru qui est sport pour clôturer cette édition. Une compétition de tennis de table des pays de l'Est de l'Afrique va se dérouler du 30 au novembre au 2 décembre. Elle va rassembler les moins de 18 ans et le Rwanda a été choisi comme pays organisateur. Enoch Bahati, le secrétaire général de la Fédération rwandaise de tennis de table, affirme que le choix du Rwanda permettra de faire davantage connaître ce jeu à la population rwandaise. Suivez-le. Cette compétition a été organisée dans le cadre de promouvoir le tennis de table. Parce qu'au Rwanda, c'est un jeu qui n'est pas encore un jeu de compétition. C'est un jeu qui réunit des gens autour d'une table pour s'amuser. Et pourtant, dans d'autres pays, que ce soit de la région, de l'Afrique ou du monde, c'est devenu un sport olympique. Ça veut dire un jeune garçon, un jeune joueur peut commencer à partir d'une base pour atteindre un sommet qui lui permet de devenir une très grande star, de pouvoir représenter son pays dans les Jeux olympiques. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.